Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3. Vous n'imaginez pas à quel point je suis enthousiaste à l'idée de vous retrouver pour une nouvelle saison de Tam Tam, votre émission citoyenne du vendredi soir. Ce soir, nous vous proposons de faire la connaissance d'Amar. Amar est irakien. Il est arrivé en Belgique en 2015 et était donc jusqu'alors ce que l'on peut appeler un primo-arrivant, un étranger installé en Belgique depuis moins de 3 ans. Cette année, il arrive donc au terme de son parcours d'intégration encadré par le Centre d'Action Interculturelle, l'occasion pour nous de vous parler du travail d'accompagnement des étrangers entrepris par les centres régionaux d'intégration comme le CAI, à Namur où nous vous emmenons ce soir. On regarde. Ça fait plus ou moins un an que tu es venu ici, donc au Centre d'Action Interculturelle, et c'est moi qui t'avais accueilli la première fois. Aujourd'hui, ton parcours d'intégration, il est terminé. Quand je suis arrivé en Belgique, c'était le 17 juillet 2015. C'était mon anniversaire, au même jour de mon anniversaire, oui. Je viens d'Europe, j'ai 28 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai vécu en Belgique 3 ans. Moussoul, c'est une ville, c'est vraiment une très belle ville. Et c'est ma ville où je vis. Malheureusement, Daesh est entré dans ma ville. Il fait des choses horribles. Il forçait les gens pour prier et il coupait les mains. Et ils font beaucoup de choses qui sont mauvaises. Actuellement, les Irakiens comptent parmi les principaux demandeurs d'asile en Belgique, avec les Syriens, les Afghans et les Palestiniens. La guerre, ou plus globalement les violations des droits humains, reste la première cause de leur départ. En Irak, ma situation c'était mieux qu'ici. Là-bas, je travaille, j'étais comme un prof de sport. En fait, ça m'aidait beaucoup d'avoir d'argent là-bas. Mais je perds beaucoup d'argent quand je suis venu ici parce que la route, c'était vraiment difficile. Ouais. J'ai passé presque 13 jours en train d'arriver ici en Belgique. Tout d'abord, j'ai passé d'Irak en Turquie. Après Turquie, on a passé la mur. Par un petit bateau. Quand je me souviens là, j'ai peur, oui, c'est vraiment parce qu'on est dans le petit bateau et dans la mer. C'est quelque chose de vraiment horrible. Même maintenant, je me dis pourquoi je fais ça. Mais on a passé ça et c'était ça va, oui. En Irak, j'étais avec ma famille. Je voudrais vraiment apporter mes parents ici parce qu'il n'y a plus de vie là-bas. J'ai passé presque 10 mois dans le centre de réfugiés. Après avoir obtenu les cartes d'identité de séjour, j'ai commencé à étudier le français. Apprendre la langue du pays d'accueil est l'une des grandes étapes du parcours d'intégration. Pour atteindre le niveau de français qu'il souhaitait, Amar a suivi des cours à Liège tous les jours pendant 2 ans. Aujourd'hui, la prochaine étape pour lui est d'obtenir l'équivalence de son diplôme irakien en Belgique pour pouvoir réaliser son rêve et devenir entraîneur de football. Je voudrais être aussi un prof de sport. Ouais. Et pour réaliser ça, il faut terminer le master. Et pour terminer le master, je vais travailler beaucoup pour mon français. Et pour travailler à mon français, je fais le sport ici pour faire une communication avec les gens. Pour tous les primo-arrivants comme Amar, chaque démarche de la vie quotidienne peut être laborieuse, tant au niveau administratif que pratique. C'est pour cela que le CAI développe des partenariats avec des institutions, associations, services administratifs et met en place des actions concrètes pour répondre aux besoins des étrangers. Où tu en es par rapport à... ton souhait de vouloir faire un stage, enfin pardon, un master par rapport à ton projet. J'ai reçu un email il y a 2 jours. Donc tu as rendez-vous le mercredi 4 juillet à 11h. Oui.
pour les démarches de l'inscription. Ok, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Moi, je te propose de voir ça avec Laurie, qui sera ta future mentor. Parce que mon travail, en fait, s'arrête ici. Elle, elle va mieux te suivre par rapport à ton projet. Donc, et aussi pour t'insérer à l'université. Bonjour. Bonjour. Ouais. Laurie, enchantée. Enchantée, c'est Amar. J'avais envie de contribuer à vos efforts et à votre parcours. Et donc, je n'ai pas d'attente précise, si ce n'est que de pouvoir être utile. Et, Merci, ouais. Le projet de mentorat fait partie d'un programme appelé Network. Les mentors sont des citoyens engagés qui, comme Laurie, apportent leur soutien bénévolement aux étrangers dans leurs démarches liées à l'emploi et à la formation. Ils se rencontrent sur le lieu de travail du mentor. Le CAI encadre la collaboration de chaque duo. On peut se renseigner, par exemple, pour que l'objectif ne paraisse pas si loin et qu'il y en ait quand même d'autres qui vous récompensent de vos efforts pendant la durée des études. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens ici vraiment disciplinés. C'est magnifique pour moi. Chaque truc a sa place. Il y avait le passage piéton pour les gens. Personne passe s'il a le feu rouge. Dans leur vie de tous les jours, les étrangers sont confrontés à de nombreux obstacles liés à l'organisation de notre société, concernant notamment le logement, la scolarité, la mobilité, l'emploi, la culture. C'est sur base de ce constat que le CAI a mis sur pied le plan provincial et local d'intégration, le PPLI, qui regroupe tous les acteurs de terrain de la province en lien, de près ou de loin, avec les personnes étrangères. La mise en réseau de ces professionnels permet la construction de projets concrets qui favorisent l'accès aux droits fondamentaux des personnes. Par exemple, au CPAS de Namur, les assistants sociaux sont formés aux relations interculturelles et travaillent en complémentarité avec le CAI. Ce type de collaboration contribue à harmoniser les démarches obligatoires. Bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais l'étiquette lire, étiquette de piscine, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre le téléphone, monsieur, qui est près de l'ascenseur. Je vous passe D'accord. Madame Gérard. Merci, merci bien. L'histoire d'Amar n'est pas singulière. Aller à la rencontre de ces étrangers que l'on croise dans son quartier permet de comprendre leur volonté de faire partie de la société qui les accueille, en tant que citoyens à part entière. Chaque association, chaque institution et même chaque citoyen peut y contribuer. Les portes du CAI sont ouvertes pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les initiatives qui existent. En tout cas, bonne continuation pour la suite. Merci, merci de toi. Ouais. C'est un plaisir de travailler avec toi. Tu as redonné du sens, tu as redonné du sens à ma pratique de travail. J'ai aimé ton côté défieur, ton côté anxieux. Et aussi ton côté battant, donc tu ne lâches pas l'affaire, tu es très coriace, parce que les personnes deviennent démotivées, etc., après un certain temps, et je peux comprendre. Ici en Belgique, j'ai rencontré beaucoup des gens qui m'aident beaucoup, et ça me fait sentir que je suis entre ma famille. Et finalement, je m'habituais vraiment à vivre en Belgique. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tam-tam consacré au Centre d'Action Interculturelle. N'hésitez pas à le retrouver et à le partager sur le site de Télévision du Monde, sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un reportage exclusif sur les débroussailleuses à quatre pattes. Alors qu'est-ce que c'est une débroussailleuse à quatre pattes et avec des poils? On en parle la semaine prochaine dans Tam Tam. Bonne soirée.